J'ai grandi avec cette série et j'avais beaucoup aimé le premier film. Le deuxième m'avait un peu déçu, mais j'attendais malgré tout ce troisième film. Bref, voici mon avis sur Bob l'éponge le film, éponge en eau trouble, sans spoiler. Dans ce film, nous retrouvons Bob et Patrick qui se lancent cette fois à la poursuite de Gary, l'escargot de Bob, qui a mystérieusement disparu. À mon sens, le film est très réussi. L'animation est cette fois-ci en 3D style pâte à modeler, et bien qu'un peu surprenant au début, le style du dessin animé est très bien retranscrit. L'humour est bon, les running gags aussi, et pour ce qui est du doublage, l'AVF est de bonne facture. Le film réécrit la façon dont les personnages principaux se sont rencontrés, et sans vous spoiler, il ne le fait pas n'importe comment. On retrouve aussi pas mal de personnages du premier film, ainsi que quelques références et caméos. Par exemple, on revoit le véhicule utilisé par Bob et Patrick dans le premier film. Pour ce qui est des chansons, sans qu'elles ne restent toutes dans la tête, elles sont largement au niveau de celles de la série et du premier film. Mention spéciale pour le remix du générique entendu à la fin du film. Mon seul problème avec le film, c'est que le début est assez mou, mais ce n'est pas désagréable non plus. En bref, si vous avez grandi avec Bob l'éponge, je vous conseille énormément ce film. Pour finir, sachez que le film est dédié à la mémoire de Stephen Hillenburg, le créateur de Bob l'éponge, mort en 2018. Voilà, c'est tout pour cette micro-critique, et on se revoit bientôt. Salut!